Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Marcus. Bienvenue pour le début de LEGO 2K Drive sur Series X. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ce jeu? C'est un jeu de course, édité par 2K Games, développé par Visual Concept. Il est sorti, ou plutôt il sort, le 16 mai 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch pour un prix d'environ 60€. Allez, on y va, voyons ce que ça donne. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être giga bien? Est-ce que ce sera mortel? Ça va se savoir, j'ai tout paramétré de mon côté, donc ouais, on peut y aller. Jouer. Là, on a quoi? Histoire, tournoi de la coupe, course, activité. Nous, on va faire le mode histoire. En direct d'une grande tour et de plusieurs satellites spatiaux, vous êtes bien sur Megascoop TV. Salut Bricklandia, je suis Embrayage. Et moi, Jean-Taliage. Dans l'actu aujourd'hui... Toi qui conduis vite, super hyper vite. Tu construis des trucs. Tu détruis des trucs. Et tu convoites ceci. Le trophée céleste. Oh. Mais oh non, c'est tout là-haut dans le ciel. C'est pas grave, il y a une course dans le ciel. Le Grand Prix de la Coupe céleste. Tous les concurrents doivent fournir leur propre moyen de transport jusqu'au stade céleste. Mais pour atteindre le trophée céleste, tu dois battre une bande de pilotes déjantés. Déjantés comme cela. Hey, ils provoquent des accidents. Normal, ils sont déjantés. Des accès, oui. Et bien sûr, tu devras aussi vaincre l'invaincu. Celui qui triche tout le temps, même si on n'a pas de preuves. Le champion en titre et méchant incontesté. Zed le horrible. C'est moi, Zed le horrible. Ouh, je vais te réduire en pièces parce que je ne connais rien de toi, mais que je te considère quand même comme une menace directe. Allez, Zed, mange tes briques. Automobilis, ancien pilote pro reconverti en mentor charismatique qui entraîne des jeunes recrues, ce qui arrange tes affaires et celle du scénario. T'attends le didacticiel. Non. Enfin, peut-être. Mais ce sera marrant. Ouais, j'espère. De toute façon, je ne te laisse pas le choix. Alors en avant. Vas-y, voyons voir si ce sera marrant. Suis-moi, l'artiste. Je vais t'emmener chez Mobilis Speedway. Tâche de ne pas faire de sortie de route. Tu vas adorer les champs turbo. On n'a peut-être pas inventé la course, mais on en raffole. Tous les pilotes rêvent d'intégrer le Grand Prix de la Coupe Céleste. Mais pour ça, il faut remporter un paquet de courses. Toi, wow. Tu aimes prendre des risques. Le hors-piste, ça te connaît, on dirait. Bon, ça va, quoi. Ça se manie bien. Oui. Oui. Attention au bas de caisse. Attention! Bienvenue au champ turbo, capitale mondiale des courses. Tu as tout ce qu'il te faut ici. Une équipe hors pair qui en connaît un rayon sur les courses. Des friandises du célèbre café à damier. Et la butte aux jantes, d'où on peut décoller comme un avion! On a même un garage où on peut assembler notre propre véhicule. Et ma petite chouchoute, la Tour Auto, le QG des opérations. Ne m'oublie pas, je suis Vroom, véhicule robot utilitaire méga cool. Ok. Vroom t'accompagnera et contrôlera tes systèmes. Ok. À ton service. Il est en train de bugger, mon truc, là. Aïe, Vroom est un peu déréglé. Je le recalibrerai après cette introduction. Ok. En attendant, voyons à quoi tu ressembles. Okidoki. Donc là, on a plein de skins différents pour notre avatar.
Ouais, donc là on a tout. Collection et Lego City. Moi, qu'est-ce que je vais prendre? Ici, on a l'autopilote, cascadeur scorpion intrépide, cascadeur wheeling. Là, Diana défaut, Indy Cinder, ou indécidé. Indécidé. Marcel hérité. Marcel hérité. Allez, jeu de mots. Pourquoi pas cascadeur wheeling? Ou alors, ah, je sais pas. Non, je vais pas prendre un robot aussi, autopilote. Moi, étant fan de robots, je t'avouerai que je suis un petit peu légèrement tenté de prendre ce skin. Allez, vas-y, je prends autopilote. Si tu veux changer d'apparence, accède à l'équipement dans le menu options. Ah oui, parce que de toute façon, au fur et à mesure de l'avancement au niveau de l'aventure, au niveau des missions, etc., on va débloquer des skins différents et ça nous permettra de varier un petit peu l'apparence au fur et à mesure, il n'y aura pas de soucis. Allez l'artiste, c'est l'heure de ta première leçon de conduite. Rejoins-moi, je vais t'apprendre à déraper. Tu devrais voir un repère orange. Suis-le pour rejoindre Otto. Ok, direction auto. Ouais, doucement la voiture. Oh là là, elle a le feu aux fesses. Comment je fais? Voilà, il faut maintenir. Bon, j'ai un petit peu trouvé tout seul comment faire. Eh, mais c'est pas mal. Quand tu fais du hors-piste, ça met automatiquement le quad. Quand tu te mets sur l'asphalte, la route, ça fait une voiture. Tu as trouvé du Brick Flues. Ouais, ouais, achète de nouvelles, de superbes articles. Utilise tes superbes articles en jeu. Accès au bazar d'Hugo Reel. Ok. Attends. Demi-tour. On va quand même aller là où le jeu veut que j'aille. Veut qu'il aille plutôt. Ma foi, c'est plutôt sympathique. Hein. Et. Hop, 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 calmos, molo, hola, bijou. Salut l'artiste, apprendre à déraper, c'est bien plus marrant que de faire des créneaux. Viens, je vais te montrer. Dérapage, quand tu avances, RT et tourne, maintiens LT pour déraper, ouais, c'est ce que j'ai vu. Nén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 
c'est l'heure du duel. Je t'attends à l'arrivée. C'est moi qui vais t'attendre. Je suis fière de vous présenter cette course en direct. Je suis Embrayage. Et moi, Jean-Taliage. Le duo de commentateurs des courses bricklandiennes. Aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur la nouvelle recrue d'Automobilis. Absolument, Ambre. D'après nos sources, Otto est convaincu que sa recrue va se qualifier pour le Grand Prix de la Coupe Céleste. D'autres informations prochainement sur Megascoop TV. Et n'oubliez pas, si vous êtes prêts pour la course, alors nous moi aussi. Parfaitement synchro. J'aime bien le jeu de mots entre... Enfin, avec le prénom, non-prénom de la présentatrice et du présentateur. Embrayage et l'autre, j'ai déjà oublié. Attends, c'était Jean Toto ou Jean Taliage ou un truc du genre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas du tout. On peut même drifter avec un bateau, c'est incroyable. Tu vas sauter. Oui. Wow, quel saut. T'as vu ça un peu? Oui. Vas-y mon gars. Hop hop hop. Yes. Pousse-toi toi. Laisse-moi passer. Plus vite, recrue. Non. Ah. Et au plancher. Hors de ma route. Non mais je récupère toujours les mêmes bonus, c'est incroyable. La dure piste, je suis cinquième. Eh hey, mais ça m'a l'air, ma foi, assez tendax, hein. Dernier tour. Là, faut que je gère. Allez, vas-y, mon petit gars. Ah ouais, en fait, c'est pas que je suis invisible, c'est que je suis fantomatique. Pied au plancher. Hop. Bon travail. Ils me font un bonus. Oui. Le turbo-bobo ne ferait pas de mal. Mais j'avais pas fait gaffe qu'il y avait du turbo. 40 ans après. Pousse-toi, toi. Utilise la fonction de dérapage. Mais non, mais je sais. Doucement, doucement. Allez. Le petit saut. Ouais. Non. Ah le... Eh non, mais le nitro là, dans le virage, c'était pas très intelligent. Et voilà le travail. Premier. Mais il était quand même temps que je me réveille, hein, pour l'utilisation de la nitro. Autopilote. Victorieux. Et regardez, il est content. Il est ravi de sa prestation. Il est totalement métallisé. C'est trop beau. Première victoire. Hop. On a gagné la voiture de Zach. Une citadine. Ouais, bah j'aurais préféré mieux. Victoire sur Automobilis. On passe. Et on part dès maintenant pour la deuxième épreuve. La deuxième épreuve qui va nous emmener je ne sais pas où. Tu as tout ce qu'il faut pour intégrer l'écurie Mobilis, l'artiste. Et tiens-toi bien, tu as même gagné un drapeau à damier. Mais c'est trop bien. Tiens. Tiens, le voilà ton drapeau. Et tu pourras prendre part aux grandes arènes de briques. Il y a trois grandes arènes de briques à Bricklandia. Et si tu les gagnes toutes, devine ce qui se passe. Oh oh. J'adore la musique en fond. Oh oh. On gagne une voiture en or massif, des batteries gratuites à vie, un chiot. Ouais. Moi je préfère avoir la voiture en or massif. Mais non. On peut participer au Grand Prix de la Coupe Céleste. C'est le plus grand des championnats. Si tu le remportes, tu seras l'élite des pilotes de Bricklandia. Bon, il te reste quelques étapes avant de remporter d'autres drapeaux à damier. Vroom va t'expliquer tout ça. Bien, jetons un œil à ta carte du monde. Vas-y. Tu vois ce triangle? C'est toi. Ouais. En parcourant les quatre coins du monde, tu découvriras des activités pour te mettre à l'épreuve. Tu as dû en voir une en venant ici.
Peut-être. Tu as le choix entre deux nouvelles activités. Chacune est entourée d'un cercle jaune. Ouais. Se repérer avec une simple carte n'est pas toujours facile. Plaçons un point de repère. Bah, je voudrais bien. Déplace le curseur vers l'un des défis mondiaux en surbrillance, puis place un point de repère. Pas pour la démolition. En avant. Ferme la carte du monde et suis le point de repère vers le défi de démolition. Pas de soucis. Vas-y, c'est à 400 mètres. Oui. Non mais c'est vraiment pas mal que le changement de véhicule se fasse automatiquement. Merde, Crudy. Excuse-moi mec, je ne voulais pas t'écraser, je ne t'ai pas vu. Oh, c'est quoi, c'est le royaume des champignons quoi. Hop, 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 hop. Virage rapide. Appuie sur X en tournant pour prendre un virage rapide. D'accord, ok. Donc ça, c'est plutôt pour faire genre des demi-tours rapidos. On a des briques à démolir. Essaye d'utiliser ton virage rapide pour passer d'un champignon à l'autre. Ok. Donc là, je dois battre un chrono, non ? Démolir des objets, remplis ton turbo. Ouais ! Mince, j'ai cassé la voiture. Utilise la commande de virage rapide pour mieux manœuvrer. Mais c'est bon, je sais, mec. Impeccable. Impeccable bien. On ne Ce que tu fais est totalement incroyable. C'est du jamais Cela vu. Cela répare ton véhicule et remplit ta jauge de turbo. Voilà. Victoire de l'autopilote Marcus 27500. Et maintenant ? Et maintenant, fais quoi ? Coin des agréments. Alors attends, est-ce que ce serait pas ça ? Ouais, tout à fait, c'est ici. C'est... par là-bas. Tiens, on va essayer de faire un petit saut. Mes tours. Et c'est parti. Vous avez vu ça un peu? Non, franchement, graphiquement, c'est plutôt joli. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est ouais, vachement agréable. Et ça change pour un jeu Léo. Oh, attends, qu'est-ce que... Ben voilà. Bon, j'ai boulé quelqu'un, je suis désolé. Je sais pas ce qu'il faisait. C'est juste ici. Attention! Turbo, ouais. Et... let's go! Je vais récupérer mes agréments. Et c'est vite, hein! Allez, c'est poussé, mec! Je vais faire tourner, moi! Hop là! Ah! Wow. Mais what the... Ah! Wow, je fasse quoi maintenant? Cet agrément a vraiment la cote. Démolis des briques pour réparer ton véhicule et obtenir plus de turbo. Ouais, d'accord. Faut que je fasse genre un truc comme ça, non? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je n'ai pas pigé. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, non, mais ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Ah, ok, c'est bon, je sais où faut que j'aille. Et mince alors, zut, flûte! Là, c'est de l'autre côté. On fait le sort et ouais! C'est juste là. J'avais oublié que j'avais cet agrément. Allez, plus vite! Hey, attends, hey, deux minutes! Oh là là, le carnage! C'est bon, je suis là, je suis là! Cet agrément fait un carton! Bah ça, c'est juste à côté. Utilise la commande de... Oui! J'ai un peu gogolisé, mais ça l'a fait quand même. Waouh! T'as récupéré des agréments stylés! Arrête-toi au bazar du gorille, à l'occasion, et dépense du brick flouze contre d'autres agréments stylés! Et d'autres trucs encore! Les jeunes disent encore stylés, et agréments, ils vont piger! Ha! Bah écoute, hein, oui, le vocabulaire a un petit peu régressé, mais je pense que, ouais, tout le monde va te comprendre. Allez l'artiste. C'est juste là. Prépare-toi pour la suite. Passe me voir. Oh là 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 là, mais c'est quoi là, ces écrasements à la chaîne? Faut que je fasse attention. Attention, attention, attention. Bienvenue au garage. Si tu veux construire ton propre véhicule, adresse-toi à Marguerite et entre dans le bâtiment. Marguerite, parce que bah. C'est une gorille en fait. LOL! D'ailleurs,
Ces garages permettent aussi le voyage rapide aux quatre coins de Bricklandia. Tu peux rester au champ turbo et revenir quand tu veux. Mais si tu te sens d'attaque pour tenter d'accéder au Grand Prix de la Coupe Céleste, fais un voyage rapide jusqu'au comté des Grands Rocs pour commencer l'aventure. Qu'est-ce que t'en dis, l'artiste? On part pour le comté avec un voyage rapide? Oui. Super. Vroom va te montrer comment voyager rapidement jusqu'au comté. On se voit là-bas. Ok. Bien, ce sera rapide. Un peu comme ton voyage. Mais vu que c'est un voyage rapide... Appuie sur la commande pour afficher la carte du monde. Te voilà au garage des champs turbo. Les garages sont des endroits spéciaux car tu peux les utiliser pour faire des voyages rapides. Oui. Te voilà dans le comté des Grands Rocs, une nouvelle région à explorer regorgeant de nouvelles courses et activités. Ah, en fait, c'est pas totalement un monde ouvert. C'est des zones ouvertes et non reliées entre elles. C'est un peu dommage, mais enfin. Il nous faut un garage pour faire un voyage rapide. Je vais trouver le premier, mais tu vas devoir trouver les autres par toi-même. Boum! Voilà ton premier garage au comté des Grands Rocs. Bien! Déplace simplement le curseur sur le nouveau garage du comté des Grands Rocs, puis lance le voyage rapide. Hop! Ah, ça m'a l'air pas mal, hein? J'ai hâte de voir les différents biomes. Là, on avait le biome tempéré, tu là, c'est le biome le aride. Des Grands Rocs. Je t'en voudrais pas si tu décidais de t'y installer définitivement. Mais ne te laisse pas avoir par l'ambiance paisible et les paysages de rêve. Il y a des courses partout ici. Les pilotes zigzaguent entre les monuments. Franchissent les cascades cristallines. Et foncent à toute allure à travers la ville. Écoute-moi. Je sais que tu es capable d'intégrer le Grand Prix de la Coupe Céleste, de remporter le Trophée Céleste et de devenir le pilote numéro 1 de tout Bricklandia. Mais pour ça, il va falloir briller dans les courses, rafler des drapeaux à damiers et t'illustrer dans les grandes arènes de Brick. Nos soussailles. Ta première course est le tourbillon de poussière. Ça a l'air dangereux vu le nom. Et ça l'est. Ouais, mais j'ai pas peur. Appuie sur la commande pour afficher la carte du monde. Déplace le curseur vers le tourbillon de poussière et place un point de repère. Comme ça, tu trouveras facilement ta première course. Et c'est grâce à moi. Tu peux pas faire ça sans moi, parce que moi, je vais... Bref. Ferme la carte du monde en appuyant sur carte du monde. Et suis... Vroom et moi, on est là si besoin. À présent, va montrer au monde l'étendue de tes talents. Ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'est que... Oh, Gustavation. C'est qu'on a, là, on a eu le biome tempéré, là, le biome aride. Peut-être qu'on aura un biome enneigé, un biome volcanique, un biome marécageux. Bref, t'as l'embarras du choix. On verra ça au fur et à mesure. Doucement, doucement, doucement. Hop là, doucement, j'ai dit, mon petit autopilote. Les courses, c'est là. Et le fun, c'est fun. Ben oui, c'est archi fun le fun. Est-ce que vous aimez le fun? Oh, pas mal la tornade là. Gustave! Il y a de l'agitation au tourbillon de poussière, dis donc. Je ne te le fais pas dire, Jean. La ferme porcine tourne à plein régime. On nous signale plusieurs tornades. Et bien qu'une course soit sur le point de commencer, l'école d'aviation de Gustave Viation donne encore cours. Ambre, j'ai eu l'occasion de parler à Gustave avant la course. Je n'ai pas bien compris ce qu'il baragouinait, car il avait la bouche pleine, mais une chose est sûre, il a faim de victoire. La tornade rendait mieux au niveau de l'image. Fonce, allez hop là! On perd pas de temps, on n'y est pas! Parce que sinon ce sera râpé pour la première place. Avantage paré! On avance! Ah! Incroyable! Mais vrai! Bien, un avantage.
C'est moi ou ils sont méga rapides en face là ? Eagle 5, Fox 2. Accélère ! Momo, regarde ! Oula ! Oh, c'est excellent ! Oh, ça m'a fait gagner plein de temps ! Mais what ? Mais. Le pilote sans réfléchir ! Je joue n'importe comment, mon gars. Oh. Ok, je suis premier. Tu vas me le payer. Non. Allez. C'est ça, lâche rien. Vas-y, mon petit gars. Ouais. À plus dans le bus. Ah, des bestioles qui font peur. Vas-y. Tu peux le faire. C'est pas juste. On croit en toi, mon gars. Il va falloir te réveiller. Ah. Oui. On va garder le bonus. Parce qu'il est vachement bien. Hep, 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 hep. Tu me passes pas devant. Ok, non. Ça le fait pour l'instant. Mais ça va, hein. Encore une fois, je me répète, mais la jouabilité est super sympa. Maman, oh maman, regarde. Maman, tu m'as vu, t'as vu comment je suis bon. Schlack. Ça me rappelle un peu Forza Horizon. Bon, enfin, c'était peut-être le but, hein. Avec le côté open world, t'as tout un tas d'activités. Maniabilité finalement ouais un peu prévu pour tout le monde. Et ce qui est logique hein, vu que là c'est un jeu Lego. Donc forcément faut que ce soit un jeu qui soit facilement jouable pour les jeunes enfants, pour les jeunes joueurs et joueuses. J'ai même pas fait gaffe. Là tu vois, santé accrue. J'ai pas fait attention au véhicule que j'ai gagné. Ah ouais, bah en fait on a gagné le véhicule Gustave. C'est super. Big Butter ou Big But, je ne sais pas. Ouais, donc là on est à combien? On est à 207 de pognon, on est un peu plus de la moitié du level 2. Je dois te donner mon drapeau à damier, c'est ça? Je crois bien que oui. Ne le salis pas, d'accord? Je viens de le laver. Non, c'est pas vrai. Je m'en servais pour m'essuyer les fesses quand j'allais faire caca. T'inquiète pas, si ça pue, c'est normal. Tout le monde n'arrête pas de me dire de bosser un peu. Je devrais peut-être les écouter. Oui ? Tu as battu ton premier rival. C'est moins bien que de me battre moi. Mais ça t'a valu un drapeau. Je vais ajouter ce drapeau à damier à ta collection. Ça en jette et ça te rapproche de la grande arène de briques du comté des Grands Rocs. Encore une chose, l'artiste. Avant de refaire des courses, tu vas devoir prendre du galon pour arriver à la cheville de tes deux prochains rivaux. Gagne de l'XP et monte en niveau. Trouve des épreuves sur le pouce, des quêtes et des défis en parcourant le monde. Appuie sur la commande pour afficher la carte du monde. J'ai indiqué les deux prochaines courses sur ta carte. Okay. Le niveau requis pour débloquer une course s'affiche sur l'icône que tu vois ici. Ah oui, mais moi je suis level 2. Ton niveau actuel s'affiche dans la barre d'XP en haut à droite de la carte du monde. Mais j'ai vu. Tout est en ordre ? Super ! Oui. On est parti ! Mais non, mais on va pas y aller ! On est que level 2. Y'a pas autre chose ? Bah ouais, là en fait on refait la mission. Explore et passe au niveau 4. Ah ouais, c'est ça que je dois faire. Je dois me promener et éventuellement faire des défis afin de faire augmenter mon niveau. Mais là, ouais, vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe. Hein, même si ce n'est pas un vrai open world, ça n'empêche pas que chaque zone m'a l'air bien grand. Tu veux encore bien plus d'autocollants ? Ouais, vas-y. Donc là, c'est bien. Ah mais... Qu'est-ce que je peux faire? Si je vais là... Entrer dans le garage.
Margot et Hugues. Salut, je m'appelle Margorille et voici mon oncle Hugorille. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre garage où nous t'accueillons pour construire un magnifique véhicule. Il y a aussi des smoothies à la banane gratuits. Tu peux te servir? Cool. Ah, ça m'a fatigué cette cérémonie d'accueil. Je vais aller faire une pause. Bonne sieste. Pas de problème, Hugo. Je me charge de la suite. Comme c'est ta première fois dans le garage, tu veux que je te montre quelque chose de simple, comme changer rapidement de peinture? Je suis trop contente. Petit rappel amical de singe. Tu peux arrêter le didacticiel à tout moment en accédant au menu Options. D'accord. C'est quoi ta couleur préférée? On va peindre ton véhicule de cette couleur en un clin d'œil. On va avoir besoin de l'outil peindre dans la caisse à outils. Appuie sur caisse à outils pour l'ouvrir. À présent, sélectionne l'outil peindre. Peignons les parties rouges d'une couleur différente. Je vais te montrer comment sélectionner toutes les briques rouges d'un seul coup. Déplace le petit cercle à l'intérieur du conseil de pro. Appuie sur sélectionner une couleur quand une brique est sélectionnée ou en surbrillance pour inclure. Tu vois, c'était rapide. Oui. Maintenant, changeons la couleur de ces briques rouges. Une belle couleur métallique au lieu du rouge. Ça te tente? Accède à la page métallique. Quand tu déplaces la sélection, la couleur sur ton véhicule change pour te donner un aperçu de ce que ça va donner. Valide la couleur à... Aïe! J'adore! Voilà comment changer la couleur de ton véhicule en un éclair. Veux-tu sauvegarder ton magnifique véhicule? Oui, je veux. Pour sauvegarder ta création, ouvre le menu Options. À présent, sélectionne Sauvegarder. Maintenant que tu as sauvegardé ta voiture, tu peux t'en servir quand tu veux. Cool. T'as encore beaucoup de choses à apprendre dans le garage. Tous les didacticiels sont disponibles dans le menu Options. Amuse-toi bien. Bon allez, vas-y, on y va, on sélectionne. Et attends! Bonus éducation, ouais. Tu as trouvé où on range tes véhicules débloqués? Oui. Oh, attends. Tu sais, ce que tu as gagné en t'illustrant dans les courses. Ou en ayant une édition vachement chère. Ici, tu peux apprendre à construire les véhicules que tu as gagnés avec les instructions ou les modifier à ta guise. Appuie sur Accepter sur n'importe quel véhicule pour ouvrir les actions. L'option Modifier va créer une copie de... Oui, c'est bon, on a pigé. Instructions, tu apprendras à assembler le véhicule brique par brique. Ah ouais, on va pouvoir fabriquer notre véhicule de A à Z. Tu vois, c'est bien d'apprendre un tas de trucs. Ouais, enfin, j'aime pas apprendre, j'aime bien expérimenter par moi-même. Exactement. Ah bah tu vois, il est d'accord avec moi. Je t'ai tout dit sur l'onglet débloqué. Amuse-toi bien. Ouh, ah, 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 ah. Ok, donc là, je fais ça. Ici, on a ça, on a ceci. On a cela. Eh, mortel. Ouais. Alors ça, je peux pas les avoir. Si, je sais pas. Là, on a ceci. Ouais, mortel. Là, on a le... Donc là, c'est compte sur moi. Compte sur moi, parce que comme le compte Dracula, très certainement. Ici, nous avons le hamburger royal. On voit le pilote à l'intérieur. Ici, on a le camion de pizza super génial. La voiture de Zach. Voiture tout terrain. Et là, le yacht. Ouais, le yacht du lac. Ah, ma foi, la présentation est vachement sympatoche. C'est cool Raoul, yes. On va garder pour l'instant le véhicule qu'on a. Et puis bah voilà quoi. On continue. Écoutez les amis, je pense que moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère
que vous aurez kiffé cette VOD. Hein. Vous me direz bah ouais, ce que vous en avez pensé de ce début d'aventure, du jeu par rapport à ce que vous avez pu voir et entendre. Est-ce que c'est un jeu qui vous a plu? Est-ce que c'est un jeu qui vous donne envie de l'acheter? Est-ce que vous l'avez déjà précommandé? Oula, oh là là, niveau supérieur, c'est incroyable! Gagne des niveaux en ne faisant rien, c'est un truc de fou! On a des dinosaures sur la gauche! Et ouais, la map a l'air grande. Que pensez-vous des graphismes? Est-ce que vous avez envie qu'on continue le jeu ensemble sur la chaîne? Est-ce que vous voulez un let's play? Ou est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble mais en live? Voilà, à vous de me dire tout ça dans les commentaires. Vous avez toutes les cartes en main. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me dire votre avis sur tout ça. Et puis vous connaissez la chanson, hein, avant de partir, n'oubliez pas, si ça vous a plu, bien évidemment, de lâcher un pouce en l'air, un petit pouce bleu, un petit pouce vert, ça dépend la couleur, si vous êtes daltonien ou pas. Ou en même temps, pourquoi pas partager la vidéo, vous abonner si c'est pas déjà fait, mais si vous le faites, activez la cloche pour ne rien rater des futures notifications de la chaîne. Ciao, bye bye, et à très vite.